Bonjour à tous, c'est Monaco76. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la base de Sorare, mais celle-ci sera plutôt sur les joueurs de football, plus précisément sur leur aventure. Puisque, comme vous savez, sur Sorare, il y a une multitude de cartes, des chères, des moins chères, tout ce que vous voulez, mais derrière chaque carte existe un destin, une histoire, et c'est sur ça que je voudrais vraiment me pencher sur cette vidéo. Donc, un joueur que j'ai découvert via Sorare, qui s'appelle Koki Saito, qui évolue en deuxième division de Belgique du côté de l'OMEL. Et pour moi, c'est vraiment un futur talent avec déjà une petite histoire à raconter sur ce joueur qui est plutôt très intéressante. Donc, tout d'abord, Koki Saito, donc c'est un joueur donc très très jeune, 19 ans. Il évolue lors d'un poste assez offensif, puisqu'il est soit attaquant sur une aile, soit en pointe ou soit en numéro 10. Donc c'est un joueur assez rapide, assez fluide, plutôt de poche, puisqu'il mesure 1,70 m. Je vous ai mis quelques images donc de ses premiers buts, de son premier parcours, de ses passes, de ses gestes. C'est un petit plaisir et un régal de vous le présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce Koki Saito, il a débuté sa carrière du côté de Yokohama, en division 2 du Japon. Donc la J2 League, il a effectué une première saison plutôt aboutie avec 6 buts et 2 passes décisives. Il a marqué l'histoire puisqu'il est l'un des plus jeunes joueurs du championnat 2e division du Japon à évoluer puisqu'il avait 16 ans et 8 mois lors de son premier match. Il a battu aussi un autre record qui est plutôt sympa puisque lors de sa première partie, il a partagé la rencontre avec un de ses coéquipiers qui est très très connu et une légende du côté du Japon, c'est Kazushi Mirua, si je ne dis pas de bêtises dans la prononciation. Ils avaient 35 ans d'écart entre les deux, donc c'est assez incroyable, donc c'est un record plutôt sympa. Lors de cette première saison, il a donc intégré directement les équipes de jeunes du Japon, de la U16 à la U20 où il évolue actuellement. La saison d'après, donc ils sont montés en première division du Japon. Il a fait une première apparition plutôt intéressante lors de cette première année, puisqu'il a quand même marqué 3 buts et réalisé 2 passes décisives. Donc c'est plutôt un parcours assez intéressant pour un joueur qui avait que 18 ans à l'époque. Il a marqué l'histoire un peu de ces matchs-là, puisqu'il a fait pas mal de gestes techniques. Franchement, c'était très beau à voir, comme vous pouvez le voir lors de mon passage sur les vidéos qui défilent à l'arrière. Donc voilà, hein, c'est propre, hein, ses crochets passent. Il a vraiment une belle vision du jeu. Donc franchement, ce joueur aspirait beaucoup mieux. Et en janvier 2021, le club de l'OMEL, qui appartient au City Football Group, qui est aussi en corrélation avec le club de Yokohama, donc c'est pour ça que ce transfert a eu lieu ici. Il aurait pu jouer dans un plus gros club, et c'est donc un peu la stupéfaction du côté des supporters de Yokohama, comment leur jeune crack, leur jeune pépite, peut partir en deuxième division de Belgique dans un club plutôt méconnu qui est l'OMEL, qui n'a pas fait d'apparition assez proche en première division belge. Donc voilà, c'était un peu la stupéfaction. Et lui, il a justifié ce choix-là comme quoi il voulait trouver du temps de jeu, s'améliorer dans son style de jeu à l'européenne, découvrir le championnat européen step by step. Et pourquoi pas ensuite, lorsqu'il aura plus de temps de jeu, plus de marge de manœuvre, intégrer le championnat anglais qui est plutôt son rêve. Et pour la petite anecdote, du coup, comme l'OMEL appartient au groupe de City, il est fort probable que si Koki Saito explose, qu'il puisse finir du côté de Manchester City. Mais on n'en est pas là et il y a une longue histoire avant ça. Mais hélas, donc l'intégration ne se fait pas comme prévu du côté de la Belgique, puisque la Belgique de la deuxième division est un championnat très 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 physique. Lui qui est tout fin, tout frêle, c'est ce qui est un peu reproché du côté de son entraîneur. Et c'est pour ça que malheureusement, sur 9 matchs, donc puisqu'il est arrivé en janvier dernier, il a été titularisé que 3 fois et a fait des entrées de jeu. Donc c'est un très 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 faible temps de jeu pour lui. Il a quand même délivré 3 passes décisives, ce qui est plutôt intéressant pour un début. Malheureusement, voilà, son entraîneur lui reproche vraiment ce côté-là un peu fragile, donc il va sûrement se renforcer dans les prochaines années. Mais il faut savoir donc que ce joueur est sur Sorare, c'est un pari à faire, c'est pas trop trop cher, je trouve. Il y a moyen de le négocier pour une centaine d'euros, soit 0,050 ETH pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est une belle histoire, c'est un bon joueur. Lui, il veut vraiment manger les échelons. Au Japon, il est considéré comme un grand grand espoir, un peu comme Kubo, si vous connaissez.
Il a un bel avenir qui se dessine. La saison prochaine, on ne sait pas ce qu'il va faire, puisque Yokohama fait partie du groupe du City Football Group, comme d'autres clubs, comme l'Estac de Troyes en France, New York City, Gironde en Espagne. Donc il y a pas mal de clubs sur lesquels il pourrait se relancer en termes d'un prêt pour la saison prochaine. Donc à voir ce qu'il pourra faire. L'histoire nous dira quel destin aura ce joueur. Koki Saito, qui est plutôt très 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 intéressant pour moi. Si les détenteurs actuels de ce joueur ont fait les bons choix, ont fait les bons paris, c'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir ce joueur. Et j'ai hâte qu'on découvre ensemble, dans quelques saisons, ce que va faire ce Koki Saito. Si toutes les attentes faites en lui vont se révéler, et s'il pourra exploser dans un grand club. Donc les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo découverte sur le profil d'un joueur qui était plutôt méconnu. Et je vous invite donc à lâcher le petit pouce et à vous abonner pour la suite des aventures. Un jeu concours arrive dès la prochaine vidéo, soyez vigilants. Et je vous souhaite une bonne continuation sur Sora et dans la vie IRL. Salut les amis!